Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok. J'essaie de nouvelles choses, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais bon, là y a rien d'autre à faire. Hein. C'était juste le combat contre le dragon. On y go. On va poursuivre. Je vais essayer de retrouver les deux serres que j'ai trouvées, que j'ai vues plus tôt. Du moins dans un stream, dans un autre stream. Et ouais, donc là on pouvait passer uniquement que si on avait vaincu les autres, les deux trolls qui étaient là. Ah, il y a une pierre de résurrection. Enfin, de pas de résurrection de soignage. Petit, j'ai cru comprendre que tu avais fait la connaissance de la fille de Thor, c'est vrai? Oui, Trude est super. Elle veut devenir une Valkyrie et elle en a l'étoffe. Bien sûr, je vais tout raconter sur les Valkyries qu'on a affrontées. Mais je ne suis pas sûr qu'elle m'ait cru. En tout cas, elle n'a pas aimé ce que je lui ai dévoilé sur son grand-père. Il est quelquefois difficile de voir la vérité sur sa propre famille. On la prend parfois à ses dépens. Et bienvenue à ceux qui arrivent. On est sur God of War Ragnarok. Et je valdingue un peu partout. Je bourlingue, pas valdingue. Je Dis-moi, bourlingue un petit, peu partout. Est-ce que c'est à Trude que tu pensais quand tu voulais savoir? Trude? Non. Enfin, je ne parlais de personne en particulier. Et en plus, Skulder aime bien Trude. Mais tout ce qui compte pour elle, c'est devenir une Valkyrie. Elle ne pense qu'à ça, tu vois. Tout à fait, petit. Tout à fait. Sache en tout cas que si tu as besoin de revenir sur ce dont on a discuté. Je sais. Ça va. C'est bon. Ok. Je suis pas allé. Oui, bah attends. Désolé. Il est où? Ah. C'est bon, t'as fini? Bon, voilà, ça c'est fait. Ici j'ai une autre. Ah, là-bas il y a quelque chose. Ah non. C'était pour ça. Ok. Je me disais aussi qu'il y a quelque chose là. Encore un de ces mystérieux cristaux. Père, c'était quoi l'entraînement des Spartiates? Impitoyable. C'est pour ça que tu m'as pas formé comme ça? Est-ce que tu pensais que je le supporterais pas? Tu n'avais pas à subir cela. Merci. Oui, c'était une manière assez barbare. Hein. Ce qu'il a eu comme vitre, j'allais dire Atreus, Kratos. Donc, Atreus peut être content de ne pas avoir eu l'entraînement et tout ce qu'il a pu subir Kratos. Hein. Donc voilà. Ça sera pour l'autre côté. Ah, si.
Il est là. Si mes yeux ne me trompent pas, je crois qu'il s'agit du cerf de l'été. Il fait chaud ou c'est juste ma personnalité rayonnante? Non, c'est toi le cerf. Bon, on peut y aller. Ah, en mettant la nuit, l'autre, il va réapparaître, je crois. C'est ça, on a de quoi manger à la maison. Allez! Je dois l'avouer, aider les cerfs à rentrer est un changement bien à faire. L'espace d'un instant, j'ai craint que nous ayons à les tuer. Oui. Tu prévoyais de le tuer? Pardon. Valin, le cerf de l'été, Faye le surnommait l'inconscient, car sa saison est celle des vents calmes. En raison de leur nom, elle se demandait s'il descendait des nains primordiaux qui incarnaient les vents. Cela ne me paraît plus si étrange depuis que j'ai rencontré Fafnir et ses frères. Si nous attaquait, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Autre chose? Non, bah là, j'ai pas besoin d'y retourner puisque on l'a fait. Dites, mes frères, comment avez-vous réussi à tuer Garm, finalement? On l'a tué plusieurs fois, en fait. Mais ça ne marchait pas. Alors j'ai pensé que le mieux pour se débarrasser d'une bête sans âme était de lui en donner une. Et je lui ai donné celle que j'avais. Je te demande pardon. Fenrir, tu te souviens de la lueur qu'avait vue Père? La magie que j'ai utilisée sans le savoir à sa mort. C'était l'âme de Fenrir qui entrait dans mon couteau. Lorsque je l'ai compris, j'ai simplement insérer Fenrir dans Garm. Très malin, petit! L'âme d'un fidèle compagnon dans une gigantesque créature infernale! C'est brillant! Oui, parce que s'il l'avait pas fait, ouais, Fenrir. Enfin, si Fenrir était pas mort, il aurait pas grandi autant, je pense. C'était un loup ordinaire, en fait, à la base. Mais le truc, c'est que dans cet univers-là, en fait, Fenrir n'est pas le Fenrir qu'on connaît dans les légendes, tout ça, quoi. Enfin, là, si! Maintenant. Mais voilà, quoi. Là, on est dans les terres arides. Alors, attendez. On a plein de missions secondaires, là. On va tous les faire. On va suivre celle-là. Hop. Nous revoilà dans les plaines. C'est bien plus beau maintenant que l'eau coule à nouveau. On va se battre là, une faille. Attention. À droite, attention. Et ils sont deux. Pardon? Oui. Soyez vigilants. Oui, certains rochers ne sont pas comme les autres. Tenez-vous prêts. Allez! Voilà. L'ancien est assommé! C'est le moment! Let's go! Ah, ben c'est. Mais là, on plus encore. Raté! Il n'y avait pas d'autre? Eh. Hey.
C'est terminé. Peut-être la vie pourra-t-elle à nous. Prospérer ici. Andvari serait content de savoir qu'on en a tué un autre. Andvari, le nain qui a transféré son âme dans un anneau. Lui-même, il a créé les mangeurs d'âmes. Ok. Attends. Qu'est-il advenu de ce maudit Lascar, d'ailleurs ? Je l'ai prêté à Sindri, il dit qu'il l'a perdu. Ah hein. Perdu ? Oh. Mimir, tu connaissais Garn ? Pourquoi a-t-il été enfermé au départ ? Ah, la sentinelle féroce de Hel ! Figure-toi qu'autrefois, Midgard était plus vaste. Et puis Garm, encore tout petit, a eu une fringale. Il a mangé Midgard ? Seulement quelques montagnes. Et la cinquième saison, qui venait entre l'hiver et le printemps. Et le mot qui décrit l'état dans lequel on a tellement faim qu'on n'a plus faim. Tu me fais marcher. Mais pas mon genre ! Non, je peux pas. Je pensais qu'on pouvait. Santé ? Non. On est près d'un terrain de chasse. Il doit être en chasse. Nous reviens. Yes. Ah, oh, un autre cristal. Gardons-le de côté le temps de savoir ce que l'on peut en faire. C'est parti. Ah merde, j'ai pas arrivé lui. Je sais, mais je vais d'abord le tuer. Bordel, j'ai même pas eu le temps d'esquiver quoi. Ah d'accord, mais ça sert à rien de le taper lui. Du moins pas. Non ? C'est lequel alors qu'il le... Ah, c'est les deux. C'est les deux. Je pense, hein. C'est ça. Stop!
C'est chiant lui aussi, hein. On dirait qu'il se sent tranquille quand il meurt. C'est bizarre. C'est bizarre en tout cas. Ah, tiens. Mimir, comment Garm avait-il été capturé? C'est Tyr qui est parvenu. Il a attiré la bête en lieu sûr et l'a distraite en lui donnant son bras à mâchouiller. Une fois les chaînes en place et la porte de Helheim ouverte, Garm a arraché le bras de Tyr pour se venger. Mais Tyr a encore ses deux bras. Ah, il a fini par repousser. Tyr est un dieu plein de ressources. C'est chiant. Mimir, tu as le droit de me crier dessus, si tu veux. On va être parti. Qu'est-ce que cela changerait? Tu pourrais te sentir mieux. Non, tu ne m'as pas assez fait confiance pour venir me parler. Ce n'est pas une blessure qu'on referme facilement. Je suis désolé. Il ne faut pas. C'est de ma faute. Qu'est-ce que ce sera? Mimir, quand j'étais à Asgard, j'ai vu Odin faire quelque chose à de nouveaux Zenaria. Ils avaient l'air sans vie jusqu'à ce qu'il leur jette un sort qui leur a rendu leur personnalité. Oui, il avait cette habitude, même quand ils étaient confinés au Valhalla. Je crois que leur rendre leurs souvenirs était une façon détournée pour lui de tromper la mort. Mais je ne serais pas surpris qu'avec ce semblant d'autonomie, il leur insuffle un sentiment de loyauté infini envers lui. Ah si, je peux. J'aimerais qu'ils ressemblent aux dragons de Midgard. Ils étaient gentils. C'était surtout des nains sensibles qui avaient été transformés en dragons. N'empêche. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est là où on va le combattre? On l'a coincé. Ah bah enfin! Derrière toi! Regarde! Je vais encore mourir ici de toute façon. Attention à droite. Et en feu. Je dois déjà le savoir. Merde, je suis où là? Merde, juste au moment. Attends, faut que je soigne. Ah tiens. Pardon, hein, mais. Il est où l'autre? J'en avais vu d'autres. Oh.
il va atterrir quand? Parce que je peux pas le viser, moi. Abritez-vous. Je sais pas où il est. Ah, j'arrive pas à voir là, je sais pas où je suis. Tu brûles, crapaud. Mais ta gueule, je sais que je brûle, bordel. Ah, dites des choses intelligentes, ben, pour une fois, quoi. Sauf que je vais mourir, hein. Voilà. Ah non, bah si, je vais mourir, mais là... Voilà, fallait que je le vise. Changement de flèche. J'étais sûr de mourir. Il n'y avait pas de cercle rouge. Hein. Bordel! Ah putain, j'ai oublié que j'avais la... je pensais la... D'accord, il y a eu un bug. Nous avons efficacement réduit la population draconique de ce cratère. J'entends déjà la différence. Les animaux de proie, ils sont beaucoup moins terrifiés. Ouais, attends.
On va voir si... Est-ce que je vais devoir recombattre encore? Ah non, c'est bon. Voilà. Je l'ai. Me revoilà. Ne fais pas attention, je sais que tu ne te bats pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'en as pas eu besoin. Je sais pourquoi le chef m'envoie le plus souvent. Je suis insupportable. C'est pour ça que tu me hais. Tu n'es pas mon ennemi. Tu es insignifiant, un étranger. Alors tu ne me méprises pas? Tu ne m'inspires ni mépris ni estime. Pour être honnête, c'est un soulagement. Je veux dire, oui, toi aussi, tu n'es qu'un étranger. Pourquoi me soucier de ce que tu penses? Maintenant, tu comprends. Fabuleux, mon bon Kratos. Je suis ravi d'apprendre que nous ne comptons pas l'un pour l'autre. Casse-toi! Je ne sais pas si c'était, disons, la meilleure des leçons, mais... Oui. Nous verrons bien. C'est cela, ouais. Parce que... Moi, je préférais comme il était, hein. Parce que là, s'il va nous parler comme ça à chaque fois qu'on va trouver une créature... non, merci. Ok, donc on est arrivé par là, normalement, si je dois être bêtise. Voilà. Ah non, on peut pas là. Et là, si, peut-être... Ah, c'était chiant, hein. Je dis beaucoup d'insultes ce soir, hein. C'est dingue. Hein. Par ici. Ah, il est vivant. Ah, merci beaucoup. Non, merci à toi. D'où il y a des sous-titres? Je les ai enlevés, les sous-titres. Vrai, père. C'était stupide et appréciable. Il y a un accès mystique non loin, mais je n'ai pas la pierre adéquate. Nous aussi. Il va venir avec nous. Je n'arrive pas à croire que tu aies survécu à la chute. Ah voilà. Comment tu as fait? J'ai roulé. À bientôt. Ah d'accord. Bon, le sacrifice n'était pas total alors. Non pas que je veux qu'il meure, mais bon. Ça aurait été cool. Bah ça aurait été cool. Façon de parler. C'était courageux, triste, tout ça, mais... Là, de changer ça, c'est bon. Oh, merde, trop tard. Je peux... Ah, c'est trop bas. Ah, je peux même pas changer juste la distance, tout ça, c'est dans la... Voilà. Dommage. On a fait la... Pardon. Non. Ça marche pas non plus. C'est du chemin, mon gros. Je ne t'apprécie pas. Est-ce qu'on me dit tout le temps? Et de deux. C'est la moitié. Ah, il en fallait 3? Je crois qu'il en fallait 4. Pendant notre voyage, pour disperser les cendres de Faye, nous avons pu traverser la montagne de Midgar grâce à une statue Jotnar de Durathror, le cerf de l'hiver. Lorsque Atreus était trop excité pour dormir, sa mère le berçait au son du songe florissant, le sommeil de l'hiver, qui permet l'épanouissement du printemps. Le corps a besoin de repos, disait-elle, mais l'âme a besoin de rêve. Ok, alors juste... je vais aller aux toilettes. Je reviens, à tout de suite. Heureux. Dans 5 minutes, je vais éteindre. Ou du moins, je vais m'arrêter là. Sur cet épisode-là. Après, je continuerai. Donc là, le cerf que j'ai fait, c'est fait. Ah, il faut que je le ramène.
Je n'ai pas besoin de ça. Nous nous reverrons peut-être au camp. Et dans d'autres circonstances, de préférence. Et son épée, elle est où? Elle a dû se briser, je pense. Parce qu'elle n'est pas sur son dos. Bon, Birger étant sauvé, on peut partir d'ici. Ou continuer à explorer, si tu préfères. On va explorer. Birgir porte les armes d'un vagabond, mais il a quitté la fausse voie d'Odin pour prêter serment à Freyr et défendre Vanheim. Son acte altruiste, oui, c'est ça, nous a permis de fuir à bord de Skjörblarnir et nous l'avons craint perdu à jamais. Je suis content que nous ayons pu rembourser notre dette et le sauver en retour. C'est un brave et honorable guerrier. Oh non, c'est là d'où on vient. On va aller là. Alors, est-ce que c'est ici que je pourrais détruire les pierres là? Ah? Comment je fais pour aller là-haut là? Mais ici ça sert à rien en fait. On peut pas faire le tour. Ah, c'est peut-être avec l'autre chemin, d'accord. Enfin bref, je viens de voir le temps là. Qui me restait. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein, je m'arrête là, hein, désolé, mais je peux pas faire plus long. Donc j'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!